sommes toujours dans le cadre de la promotion de la marque Oligo, marque de ITC représentée en France par Tapa Entreprise, avec qui aujourd'hui je rencontre le responsable pour nous parler de la marque de vêtements Oligo. Alors, Monsieur Narcisse, quelles sont les stratégies de promotion et de développement que vous mettez en place aujourd'hui? La distribution se fait en France et en Europe par l'entreprise, par Tapa Entreprise, dont je suis le directeur général. Et la direction commerciale et artistique est assurée par M. Lepa Timothée. Ce qui me plaît et ce qui nous a contraint à vous recevoir, M. le directeur, vous envisagez contribuer à la promotion du sport. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Dans le sport, il y a des maillots, il y a des paires de bas, il y a des chaussures, des paires de marques. Et tout ça, Oligo envisage promouvoir tout ça et se lancer dans certaines équipes, aller voir les équipes. Et puis bon. Vous êtes prêt aujourd'hui à contribuer à l'habillement de sport, de sportifs africains? Nous sommes prêts. Voilà. Alors, ce que je voudrais aussi rappeler à nos responsables du sport, notamment le ministère de sport, c'est vrai. Souvent, on vous contraint à signer des engagements avec les marques qui existent. Je parle aujourd'hui aux Africains. Voilà des Africains qui se battent, qui veulent contribuer au rayonnement du sport africain. Bon, pourquoi ne pas prendre contact avec nos parents pour leur donner un coup de pouce? Parce que si on dit que l'Afrique gagne, si l'Afrique gagne, il faut que l'Afrique gagne. Et pour que l'Afrique gagne, il faut que les Africains soient au fait de tout ce qui est promotion. Alors voilà que Oligo, la marque pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques spécimens. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour blablater, mais c'est pour vous dire que effectivement, quand dans la Bible il est écrit quelque part que le Dieu dit « Aide-toi, je t'aiderai ». Voilà. Encore un autre symbole. Partout vous voyez la marque, les étoiles, ou bien l'étoile, une seule étoile, c'est que ce n'est pas loin d'être Oligo. Oligo. D'accord. Alors pour un artiste, pour des organisateurs de spectacles, des concerts qui voudraient que vous habillez, vous veniez, est-ce que vous avez des conditions particulières? Ben, on a. Pour les conditions, non, pas particulièrement. Et il suffit que l'artiste nous contacte. Nous avons un contact, l'artiste nous contacte au 07 66 33 24 31. 07 66 33 24 31. Voilà, oui. Et vous répondez automatiquement, Nous répondons automatiquement et nous envisageons un rendez-vous pour un protocole d'accord. Nous avons signé un protocole d'accord avec l'Union des journalistes ivoiriens de la France. Et avec aussi Serge Cassi, comme vous venez de le dire. Apparemment, ça marche. Hein? Oui, ça marche. Ça marche. Et en Europe, en France, où on peut vous trouver? En France, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un site oligofashion.fr pour ceux qui sont en France, qui veulent s'en procurer. Et en Côte d'Ivoire, nous avons une plateforme Market Afriki. Voilà, marketafriki.com. Parlant de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas un peu de nostalgie? Même je sais que vous y allez de temps en temps, mais quand vous parlez de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le temps va changer bientôt, on va tomber en hiver. Est-ce que vous avez prévu, Oligo a prévu, des tenues chaudes pour l'hiver? Oligo a prévu, puisque nous fonctionnons en fonction du temps. Voilà, nous fonctionnons en fonction du temps. Donc nous avons en cours des joggings qui vont être là, qui vont être vendus. Et ça, c'est en cours en fait, les joggings qui vont être vendus, les casquettes, voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite idée, une fourchette de prix au niveau des t-shirts, au niveau des maillots, au niveau des soucis? Ça va de... Est-ce que le citoyen lambda peut s'en procurer ou bien c'est VIP, haut de gamme? Tout le monde est servi. D'accord. Alors, parlez-nous un peu du concepteur de Oligo ITC.
Comment il fonctionne en Côte d'Ivoire? UTC, c'est la maison qui a créé Oligo. C'est une société de droit ivoirienne. Elle nous a sollicité d'un partenariat, comme je viens de le dire. Donc pour le moment, UTC Abidjan attend que nous venons sur... Vous balancez la commande pour que bon, il puisse se mettre... Voilà. Bon, à supposer que une équipe de football, de sport, de 200, 300 personnes, vous passez une commande. Vous pensez être dans le temps pour livrer en fonction de ce que vous leur aurez proposé? C'est-à-dire que si vous dites non, nous on ne veut pas de laine, on veut du coton, on veut ceci, est-ce que ITC est prêt à remplir tous ces contrats? Alors, je vous dis que ITC est prêt à remplir ce contrat. Quand je suis allé sur le site de ITC, ils font aussi beaucoup de conceptions, des logos, des pancartes, des grandes affiches. Je crois que vous devez rentrer en contact avec cette structure qui est prête à tout, je dis bien à tout, pour vous satisfaire. Alors, monsieur Tapana, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené à créer une entreprise qui porte votre nom en France? Tout à fait normal. Je voudrais aussi que mon nom soit une référence. Un exemple, Bouygues Martin, il a sa société qui porte son nom. Donc pourquoi pas, moi je ne peux pas aussi mettre mon nom, taper entreprise, créer ma boîte, mettre mon nom, taper entreprise. Voilà. Je pense que il faut que les Africains osent. Il faut que les Africains osent. Pour une fois, effectivement, nous avons un Africain qui veut promouvoir le nom de sa famille. Et pourquoi pas? Pourquoi pas si les autres ont fait? Pourquoi vous ne voulez pas que les Africains le fassent? Coca-Cola, Bouygues, ceux qui ont créé les Facebook et tout ça. Je suis d'accord avec vous, monsieur le directeur. Je suis vraiment d'accord avec vous. Alors, nous sommes en fin d'entretien. Quel est le mot fort que vous voulez lancer à l'endroit de tous ceux qui nous regardent ce moment? De consommer ivoirien. Parce que Oligo, c'est une marque franco-ivoirienne et aujourd'hui il y a des Africains qui créent cette marque et je demande aux Africains, à tous ceux qui sont sur le territoire français, de s'en la procurer. Alors comme monsieur le directeur le dit, c'est vrai, il faudrait que l'Afrique et les Africains apprennent à consommer africain. Nous sommes fatigués de considérer que c'est tout ce qui vient de l'extérieur qui est une référence. Pour une fois que les Noirs, les Africains conçoivent quelque chose, surtout dans la mode et dans l'habillement, moi je pense, et il est d'accord avec moi, je pense que apprendre à consommer ce que l'Africain fabrique, c'est participer au développement concret de l'Afrique. Parce que nous sommes là. Au lieu de nous encourager, nous préférons toujours porter des marques extérieures. Il n'y a pas de différence entre ce que j'ai vu dans leur showroom et ce que je vois sur la place publique. Nous vous informons, nous vous invitons vraiment expressément de manière urgente à être solidaires de l'invention des jeunes Africains. Merci, monsieur Tapa, de nous recevoir. Et vraiment, vous êtes prêts à recevoir tout le monde. Quiconque veut s'habiller, vous les encouragez à porter Oligo, qui est la référence que vous êtes en train de promouvoir aujourd'hui, et que ce sera une fierté que quiconque porte soit fier d'être africain. Merci et à très bientôt.